Hey hey hey, bienvenue sur Max Gaming. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien faites-le dès maintenant et activez la cloche et toutes les notifications pour ne rien rater. Je suis très 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 content de vous retrouver aujourd'hui avec notre jolie Lara Croft dans Tomb Raider Underworld, la suite. Et cette fois-ci, nous sommes enfin vraiment au bon endroit. Hein, parce que dans la précédente vidéo sur Tomb Raider Underworld, c'était le chaos total. J'avais pas sauvegardé et du coup, j'avais complètement oublié que il fallait faire ça et tout et tout. Alors, nous allons essayer maintenant de descendre, hein, parce que c'est tout l'enjeu, hein, là, maintenant. Sauf que... Alors, peut-être qu'il faut se laisser tomber et... Oui, s'accrocher ici. Puis... tu veux pas prendre le poteau, là? Voilà, on descend. Tac, et bien voilà, on est arrivé en bas. J'entends des bébêtes, des chauves-souris, mais je ne les vois pas. Et à mon avis, c'est ici qu'on va récupérer une autre tête pour ensuite la placer. Voilà, elle est là. Ouf! Squelette! Alors, il y a des bébêtes en bas, voilà. Je veux me débarrasser d'elle tout d'abord. Et ensuite, je vais essayer de prendre le trésor. Voilà. Non, Lara, voilà. Tac. Oui! Bon, maintenant, faut remonter. Pouf. On va prendre les poteaux. Lara, qu'est-ce que tu fais? Elle a bugué. C'est bon, merci. Tac, 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 tac. Par là, par là. Il faut aller par là. Sauf que... Alors, attendez. Vas-y, vas-y. Voilà. Ici. En haut. À gauche. Tac. Encore. Voilà. Tu descends. Tu vas pas là. Pouf. Allez. Heureusement qu'il y a ces petites pierres qui nous permettent nous cramponner. Voilà, voilà. Par là. Allez, Lara. Un petit peu d'escalade. Par ici, à gauche. Allez, Lara. Allez, Lara. Allez. Tu vas où, Lara? C'est-à-dire que la caméra est trop près, là. Qu'est-ce que c'est que ce beads? Tu veux le poteau? Voilà, bravo, merci. Ensuite, quoi? Derrière? Oui! Ensuite, ça. Et ensuite, ça. Non. Ah. Tac. Voilà. Et ensuite, ça. Oui! C'est bon, on est sorti. Wouhou! Allez, on reprend la moto et cette fois, on va là où on était la dernière fois. On avait été trop vite. Ah! Arrêtez les méchants, mais c'est pas possible. Mais je vous ai quoi? Je vous ai fait quoi? Hop! Il est où l'autre? Il y en avait un deuxième? Il est parti, il a eu peur? Ah! Ouais, il s'est caché! Il s'était caché! Hop. Bonne nuit. Voilà. Comme ça qu'on fait. Il y en a d'autres là? Il y en a un autre. Bonjour. Ah c'est ça, va-t'en. Ah, t'as peur de Lara, hein? Bim. Allez, on reprend la moto, c'est parti. Ici. Allez, recule, Lara. Voilà. Et youpi. Salut. Je vous déconseille d'écraser des panthères noires dans la vraie vie. Hein. Mais là, dans le jeu, ça va. Et on va à gauche. Cette fois, je reconnais mon chemin. Et yippi! Pouf! Hop, à droite, il va y avoir une panthère. Ou pas, peut-être que je l'ai écrasée, je sais plus.
En tout cas, on est tranquille à mon avis pour les méchants, parce que je les avais déjà éliminés. Voilà. Oh, quel joli dérapage contrôlé, Lara. Ça, c'était du joli. Allez, on y retourne. Tac. Youpi, ça y est. Et maintenant, il y a ça. Ah bah voilà. C'était pas si compliqué que ça, finalement. Alors, on va mettre celui du milieu. Comme d'hab. À moins que ce soit inversé, hein, que cette fois, ça bloque celui du centre. Mais bon. Ok, on va voir ce que ça fait. Non, c'est pareil. Ok, on y retourne. On aligne le petit. Et on remet l'autre à sa place. Et c'est fini. On a enfin débloqué le passage. C'est ce que je voulais faire la dernière fois, mais voilà. Et youpi! Regardez-moi ça. Yeah. Et voilà. Ouf, ouverture. Oh, statue. Mais ça fait flipper ce truc. Et qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah carrément, ah ils rigolaient pas les Mayas. Ça c'est une ouverture. Hein. Vous imaginez la porte de chez vous comme ça? La classe. Bon, eh bien il faut retourner en bas. Donc, on y va. Hop, merci Lara. Retrouve ta moto, s'il te plaît. La musique d'aventure. Hop. C'est vraiment un mélange entre Star Wars et Indiana Jones, la musique. Oups. Yes. C'est là, en bas. Attendez, d'abord. Non, Lara, s'il te plaît, il y a quelque chose à prendre là. Voilà. Merci. On y va. C'est où? Bah. Pourquoi il n'y a plus le feu, il n'y a plus rien? Qu'est-ce que j'ai raté encore? Je rêve pas, c'était bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où l'entrée maintenant? Et il est dur ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé où? C'était pas là où il y avait le feu et tout et tout. Mais pourquoi elle peut pas grimper là? Et si c'était là, puisque... Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Je comprends plus rien. Quoi, il fallait descendre depuis là-haut là, mais on serait mort. Il y a un temps limité dans le truc. Ah, mais quoi? Et pourquoi tant de haine? Ah, peut-être qu'il aurait fallu. Bon, écoutez, on va recommencer. On y retourne. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce Beads? Ok, pouf. La désillusion. Oh là 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 là. Pire en pire, t'es en maniement de moto, Lara.
T'as repassé ton petit permis quand même, hein. Oh là 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 là. En plus, à chaque fois, elle perd de l'énergie. C'est bon, on arrive là, c'est loin. Ok. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? C'était bien là, mais ça a disparu. Je peux plus bouger ça. Je peux plus bouger ça. Oui, mais encore. Pourquoi ça s'est refermé? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Faut aller voir de l'autre côté. Allez voir de l'autre côté si vous voulez. Mais je ne comprends pas. Ça ne fait pas de sens pour moi. On avait activé le feu et tout. On était content. Maintenant ça s'est refermé. Il n'y a pas d'interrupteur. Ce qui est logique, puisque c'était les grandes roues qui ont activé ça. Lara, qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, j'ai cru à un bug. Pouf! Donc par là, c'est là où on a eu la tête. Donc c'est pas par là. Par là, c'est en bas. Maintenant, c'est fermé. Alors on va retourner par là. Très bien. Yippee! Pouf! Non, 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 non! Non, en plus, c'était même pas haut. Hein. Je vois pas pourquoi t'es morte là, là. Hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible! Elle est où la moto? Cachée carrément. Passe à droite. Voilà. Bon, là il y a les panthères. On les connaît ces panthères, mais. On va quand même aller voir là-bas. Bon, j'ai pas le temps pour vous. Désolé, mais pas le temps. Merci. Là. Mais pourquoi ça s'est... D'accord. Ça se rouvre ? Qu'est-ce que ça fait maintenant? Ok. Ouais, ouais. Donc on a un temps limité. Ok. Donc grouille-toi, Lara. Ah oui, voilà, les trucs se baissent. Ok, ok, ok. Allez, Lara, on a juste le temps de la chanson en fait. Allez. J'ai compris. Go. Allez! Par là. Ok. À gauche. Ok. Tac. Par là. Non mais Lara, on n'a pas le temps. Ok. Par là. Allez, go. C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est bon, c'est bon. Et ben voilà! On a réussi! Wouhou! C'était moins une, Lara!
Ouf. Eh ben voilà, on a réussi. Maya, le lieu de la peur. C'est forcément Xibalba, l'au-delà Maya. Alors, je vois une poignée là. Coincée, parce qu'il faut mettre une tête. Je pense. Là, c'est la moto. Par là. On va aller voir. On va peut-être prendre la moto. Peut-être. Pouf. Ouais, fallait prendre la moto, bien sûr, Lara. Donc c'est encore un niveau avec la moto. Bon. J'aime bien le bruit quand elle saute, on sent vraiment le bruit de tout son équipement, quoi. C'est vraiment bien fait. Je vais sauter juste pour écouter le bruit. Ouh, ça sonne chez moi. Ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Bien, me revoici, me revoilà, c'était le facteur. Nous devons foncer et sauter de l'autre côté. Yes, ça c'est fait, c'est bon. Et à mon avis, ça c'est pour retourner en arrière. Mais nous, on veut avancer. Est-ce que je peux y aller? Non. Calme-toi, Lara, calme-toi. Ok, on va voir si on peut passer. Oui, normalement. Je vais faire ça. Ça. Et ensuite, est-ce que... Tac, tu pourrais pas faire ça. Oui, c'est bon. What? Oh! Vite. Allez. Oh! C'était quoi ces grosses araignées? J'aime pas ça! Je n'aime pas les grosses araignées! Ah! Blablabla. Heureusement. Je suis pas trop resté avec elle. Oh là là, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. On dirait un conseil. Conseil des ministres, Maya. Dis-nous, Lara. Les seigneurs de Xibalba se seraient amusés à tuer leurs visiteurs en les envoyant dans les salles piégées. D'accord. Je vois des bébêtes. Bonjour. Il y a les gros araignées. Je n'aime pas ça. Aïe. Dégoûtant. Ça saute en plus. Oh là 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 là. Allez. Bonne nuit. Bah. Dégoûtant. Alors là. Ok, alors peut-être qu'il faut mettre la moto, tout simplement. Notre ami la moto, est-ce que tu es assez lourde pour pouvoir enfoncer ça? Attends, recule. On va voir. Je sais pas si je l'ai bien mise. Non, recule. Non, t'es trop en avant. Non, t'es trop en arrière. Encore un peu. Encore un peu. Non. Eh, c'est dur. Bon, à mon avis, c'est pas ça, hein, parce que... Bon, là, elle est bien mise. Ça fait rien du tout. Ouh, c'est quoi ça? Un bâton. Avec une toile d'araignée. Ok. Alors, est-ce qu'il faudrait pas remettre... Vous voyez, ils portent tous quelque chose. Alors, lui, on va lui remettre. Ok. On peut pas enlever les os. Ah, lui, il en manque un. Alors, faut trouver un bâton. Bonjour, je cherche un bâton. Il n'y a rien. Oh. Je prends.
prend toujours. On peut grimper là. Alors, on va grimper là. On leur a un petit effort. C'est juste là, la corniche. Merci. Ok. On peut pas aller en haut. Il n'y a rien là. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah. Je n'avais pas vu. Ok. Bon bah c'était juste pour le trésor. Toujours 7 prix mais quand même. Bah c'est un échec. Bon écoutez, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà une bonne vidéo, on a bien avancé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo sur Max Gaming. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Bye!